Bonjour, Corbeau Solide. Votre mission aujourd'hui sera de récupérer les données du prochain épisode de Cours au Lecteur. Cours au quoi ? Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vous le saurez quand vous les trouverez. Là-dessus, je vous laisse et débrouillez-vous. Allez, soldats, bonne chance. Et salut à tous, on se retrouve donc pour ce 10e épisode de Cours au Lecteur qui va parler, vous vous en doutez, de Metal Gear. Metal Gear. Voilà, donc bref, vous voyez, on a pété un petit peu le budget, entre guillemets, pour ce 10e épisode. Pas de grosse collector. Alors, c'est ce qui m'a empêché de faire cet épisode parce que, au final, j'ai beaucoup d'objets qui tournent autour de la série. Actuellement sur Metal Gear, mais je n'ai pas de collector à proprement parler. Donc pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que je fais un épisode ou pas sur ma collection. Puis je me suis dit, oui, puis quitte à faire, en plus de ça, vu que c'est le 10e, autant en profiter, on va faire péter un petit peu plus de choses qu'à l'accoutumée. Et donc voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je m'éclate avec ma petite lame. Voilà. Et donc, on va commencer à parler, bien évidemment, comme d'habitude, des jeux de la série. Alors, le tout premier que je vais pouvoir vous présenter dans l'ordre chronologique, c'est Metal Gear sur NES, qui est donc l'adaptation du jeu MSX, puisque à la base, Metal Gear et Metal Gear 2 sont sortis sur MSX. Et nous, on a eu la version NES, hein, qui est bien connue, notamment par le joueur du grenier qui nous l'a présenté dans une de ses vidéos. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais voilà. Donc, on a la petite disquette, la petite cartouche de Metal Gear, tout simplement. Hein. On va passer ensuite à la série qui a fait exploser, puisque Metal Gear Solid. Donc même le titre complet, c'est Tactical Espionnage Action Metal Gear Solid. Là, vous avez la version PS1. Si je dis version PS1, c'est parce qu'il y a eu un remaster The Twin Snake sur GameCube. Et il me semble que c'était déjà le cas pour celui-ci. Non, c'était pas le cas pour celui-là. Mais dans les épisodes suivants, il y aura le manuel en bande dessinée pour expliquer un peu les commandes, et ça, c'était vraiment tip top. Donc moi, c'est sur ce jeu-là que j'ai fait mes premières armes assez tardivement. C'était aux alentours de 2005-2006, alors qu'il est des années 80... 2000, tout pile. J'allais dire 99, mais 2000. Voilà. Donc, assez tardivement, d'ailleurs, c'est pas le premier de la série que j'ai fini. J'ai fini les deux avant de finir le 1. Voilà. Alors que j'avais eu le 1 bien avant le 2, mais franchement c'était la première entrée dans l'univers de Metal Gear Solid et de MGS, donc, et c'était plutôt très très cool. Et d'ailleurs, si vous aviez MGS 1, vous pouviez également avoir ce petit mission spéciale qui venait ajouter des missions VR, je crois que c'était, il me semble, de tête, hein, parce que ça fait longtemps quand même. Donc vous aviez plein de petites missions avec où il fallait soit passer sans se faire repérer, soit dézinguer tous les ennemis, etc. Enfin bref, c'était plein de petites missions, mais il fallait avoir MGS1 d'enregistrer sur au moins avoir une sauvegarde MGS1 pour pouvoir lancer ce truc-là. Voilà. Donc Metal Gear Solid. Et là, on va passer directement sur PS2 avec l'opus Sons of Liberty. Top. Voilà. Donc, qui est un des meilleurs jeux de la PS2, etc. Enfin, clairement, celui-là, c'est celui qui m'a fait kiffer encore plus la série. J'ai vraiment pris mon pied. D'ailleurs, le Metal Gear Ray doit être mon Metal Gear préféré. Quoique le Rex du 1 est quand même pas si mal et pas si dégueu que ça. Voilà, mais après, il y a beaucoup de gens qui détestent Raiden dedans. Moi, je le trouve encore honnête, en vrai.
Le scénario, hein, toujours, c'est du Kojima. Hein. Enfin, à l'époque, on savait pas trop vers quoi ça allait et tout, mais tout de même, au fur et à mesure, on va voir la patte de Hideo prendre encore plus d'empreintes dans son œuvre. Ce MGS2, il a eu une deuxième version donc, qui est arrivée en substance sur Xbox. Il me semble qu'il y avait là, une version PS2 aussi, c'est une version augmentée. Mais voilà, c'est pour dire qu'elle existe et que je l'ai. Hein. Donc MGS2, je l'ai fini à la fois sur PS2 et sur Xbox, hein, c'est pour dire. Du coup, celui sur GameCube, je l'ai pas parce que j'avais pas de GameCube. Enfin, mon frangin en avait une, mais pour y jouer, c'était galère. Donc voilà, mais MGS2 est là sur déjà deux plateformes et c'est pas mal. D'ailleurs, après, il y a eu des remakes, etc., enfin des remasters, des portages sur console plus récentes avec les HD Collection. Alors, vous allez voir qu'il y a pas mal d'épisodes que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont en HD Collection. Donc il y a le Sons of Liberty et le 3. Je sais plus si le 1 y était dessus, mais. Et une chose qui est sûre, c'est qu'il y a Snake Eater, donc MGS3, qui était dans la HD Collection. Mon jeu préféré de la licence, clairement, le meilleur à mon sens. Même si je n'ai pas fait le Phantom Pain. Voilà, mais enfin, c'est celui qui m'a laissé le plus d'écho, enfin, le plus d'émotions, etc. Parce que bon, il était quand même superbe, entre au plus de ça, dans les chasses dans le marais des créatures, le pourcentage de camouflage. Vous pouviez également télécharger des camouflages si vous aviez le module qui reliait la PS2 à Internet, etc. Mais bon, à l'époque, Internet c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, même si c'est quoi, c'est 2006 ça, 2005? 2005. En 2005, si, il y avait quand même déjà des box, etc. Mais sur les consoles, c'était pas encore ça. Voilà. Même si certains diront, oui, mais il y a la Saturne, il y a la Dreamcast. Oui, ta gueule. Chut. La Dreamcast, c'est la Saturne en Europe, on n'en parle pas. Hein. Mais voilà. Donc, MGS3 qui a existé également dans une autre version, Subsistance. Alors, je sais jamais. C'est Substance. C'est ça, et Subsistance pour MGS3, dans un beau boîtier Steelbook, etc. Que je n'ai pas malheureusement. Mais voilà. En plus, la musique, l'intro, enfin la musique de jeu, elle est juste géniale. Enfin bref, c'est mon jeu de la série, très clairement et de loin. En plus, vous pouviez avoir le mode serpent contre singe, où vous battiez, vous capturiez, enfin. Parce qu'on les endort et on les capture, les singes d'Ape Escape. Donc voilà, c'est le petit truc un peu fun du jeu sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps. Voilà. Donc MGS3. Ensuite, on passe directement à la PS3 avec MGS4, Guns of Patriot. Alors sur celui-ci, j'y ai très peu joué du fait que la PS3 était un bon frangin. J'en garde pas forcément de souvenirs plus que ça. Mais c'est quand même celui où on se prend le plus de cinématiques. Peut-être que dans le 5 on se prend encore plus de cinématiques, vu que je ne l'ai pas lancé, je ne sais pas. Mais vu ce qu'on se prenait dans Death Stranding, il y a des chances. Je pense que c'est celui dans lequel le côté cinématographique de Kojima prend le plus d'empreintes. J'ai dû faire les ouais, faciles, les 4. Ouais, les 2 ou 3 premières heures de jeu, et j'ai pas dû aller beaucoup plus loin, malheureusement, sur ce quatrième volet à qui je n'ai pas donné une grande chance. Voilà. Mais je l'ai quand même. Et du coup, on passe direct sur PS5 avec Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Donc, la honte de la série, clairement. Un truc qui se finit en même pas 2 heures, enfin, et qui coûtait un bras à sa sortie. Mec, perso, j'ai récupéré en occasion bien plus tard pour 5 balles, parce que ça vaut pas plus à mon sens. Voilà. Donc bon, ce truc-là, je m'absente. Enfin, j'en parle très peu, puisque c'est finalement juste le prologue
de Phantom Pain. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lancé. Donc, c'est... Je peux pas vous en dire beaucoup plus actuellement dessus, puisque je ne l'ai pas lancé. J'ai l'installé, mais pas lancé. Donc, comme beaucoup de jeux, en fait, c'est pareil. Celui-là, je me le suis procuré pour 5 balles en occasion. Je fais ça, ira très bien. À mon avis, il y en aura toujours pour plus que Ground Zero, donc 10 balles pour les deux villages, je fais ouais, ça va, c'est honnête. Mais voilà, donc le petit Phantom Pain, donc je ne peux rien vous dire. Donc là, on a fait tous les MGS principaux sur console de salon. On va passer maintenant à ceux sur console portable pour la série principale. On va avoir le Metal Gear Solid Portable Ops, et normalement le Portable Ops Plus, donc qui est la version augmentée, pareil, de petites missions VR, etc. La jaquette et les bleus. Bon, celui-là, je l'ai dosé, je l'ai fini, quasi fini, je crois qu'il me restait juste la dernière mission, le dernier combat de boss, etc. C'est le premier MGS dans lequel vous avez c'est les futons, je crois déjà, qui vous permettent de récupérer des soldats pour votre base, etc. Vous les endormez, vous les kidnappez. C'est un mécanisme qui revient énormément après dans le 5. Je sais que ça y est. D'ailleurs, dans le 5, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi, alors que dans celui-là, c'était vraiment que les soldats, et puis vous faisiez votre base, etc. Qui avançait en fonction des recrutements, de leurs capacités. Et voilà. Donc le petit Portable Ops, qui est très sympathique, et que j'ai beaucoup dosé. On aura ensuite... Le Peace Walker, c'est pareil, j'ai les doigts de moi, c'est juste le combat de boss. sur PSP toujours. Que, en soi, assez sympa, qui introduit certains persos qu'on retrouve notamment dans MGS5 Ground Zero, avec Chico et Baz, hein, notamment, ou Kazuhira Miller. Mais, voilà, pas... Enfin, il était franchement cool, hein, pour un jeu PSP, clairement, moi, je l'ai dosé, etc. En plus, dans celui-ci, vous aviez des petits clins d'œil à d'autres licences. Vous aviez à la place du carton, vous aviez la botte de paille, et vous pouvez faire le saut de l'ange à la façon Assassin's Creed pour tomber dedans. Voilà. Vous pouviez assassiner directement aussi depuis la botte de paille. Vraiment, le lien, finalement, à Assassin's Creed, les premiers, hein, pas les derniers. Et puis vous aviez également le truc un peu cool de combattre des monstres de Monster Hunter. Donc vous aviez il y avait le Tigrex, je crois qu'il y avait la Rathalos, puis je sais plus, il devait y en avoir encore un autre, mais... ah oui, j'ai oublié, là-dessus vous pouviez aussi, alors dans les deux, et, il me semble que vous pouviez jouer avec des amis qui n'avaient pas le jeu mais la PSP, une PSP, et du coup vous pouviez faire des batailles un petit peu en un contre un peu, voilà, comme dans d'autres jeux de tir. Et le truc qui m'a particulièrement marqué, c'est que quand celui qui a le plus de kills, donc le premier du classement, pour Portable Ops, il y a une petite grenouille au-dessus de la tête et ça fait kelo 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 à intervalles réguliers, pour que les autres puissent vous trouver et vous buter. Voilà, vous pouvez plus vous planquer quand vous êtes premier du classement. Et ils avaient repris le truc dans Peace Walker, et à la place ils avaient mis un Quetzal, puisque celui-ci se passe surtout dans au niveau du... Merde. Ah putain, c'est comment le nom du pays d'Amérique centrale? Ah, où il y a du café et tout en plus. Ouais, je l'ai plus, c'est un tout petit pays qui a pas d'armée constitutionnelle en plus. Bref, j'ai plus le nom, ça se trouve ça va être noté derrière. Même pas. Bref, voilà. Donc là on a fait tous les jeux de la série principale des Metal Gear. On va partir sur les séries spin-off. Voilà. Donc celui qui, à mon sens, est un des meilleurs, Metal Gear Rising. Le meilleur spin-off, voilà, de la licence, avec Raiden et tout, enfin, fait par Platinum Games. Voilà. Enfin, franchement, moi je l'ai fait sur PC, parce que sur PS3 je l'ai quasiment pas lancé.
Et je me suis pris un pied monstre. Le scénario est ouf. Le système de combat était assez vénère et tout. Enfin, franchement, j'ai pris mon pied, mais comme pas possible sur ce Metal Gear Rising. Peut-être qu'un jour, je ferai des streams dessus, on verra. Mais faudrait que je stream peut-être un autre MGS, voilà. Donc Metal Gear Rising, un des meilleurs spin-offs de la série. Beaucoup décrié d'ailleurs à l'époque de sa sortie. Oui, c'est pas Snake le héros. Oui, c'est pas le même système, c'est trop violent. Enfin, il s'est fait démonter le jeu à la sortie. Par tous mes potes qui jouent à Metal Gear, enfin, il s'est fait démonter, moi j'ai kiffé. Voilà. Le mieux, c'est d'essayer, voir si on prend son pied ou pas dessus. Perso, ça a été mon cas. Et c'était génial. Voilà. Ensuite, lequel je vous présente? Allez. Un au moins que j'ai essayé et auquel j'ai joué. Metal Gear Acid 2. Alors, j'ai pas le 1. C'est bien difficile de les trouver. Metal Gear Acid, en fait, c'est une espèce de tour par tour avec des cartes. C'est-à-dire que si vous voulez vous déplacer, il faut que vous utilisiez la carte déplacement. Et en plus, c'est une carte déplacement de temps de case. Pour tirer sur les ennemis, il faut avoir une carte d'une arme, etc. Et ça va lui tirer dessus. Ça va pas forcément le tuer, mais ça va infliger un certain nombre de dommages. Vous allez avoir pouvoir se cacher, passer. Enfin, bref, il y a plein de petites cartes comme ça qui vont faire déterminer toutes vos actions. D'ailleurs, ça pourrait faire un très bon jeu de plateau. Je sais pas pourquoi ça s'est jamais fait, mais voilà. Donc le concept est super intéressant. Le problème, c'est que ça n'a pas marché de ouf. Il y en a quand même eu deux. C'est pas si mal, mais c'est parce que c'est Metal Gear, je pense, et on s'est joué là-dessus. Voilà. Et le dernier que je n'ai absolument pas lancé et que je n'ai pas forcément ultra envie de lancer, mais je l'ai pris parce qu'il était à 10 balles neuf, c'est Metal Gear Survive. Le premier Metal Gear sans Kojima. Et ça me fait peur. Techniquement, ça me fait peur, etc. Donc, j'ai pas spécialement envie de le lancer justement parce que derrière, je sais qu'il n'y a pas la patte de Kojima sur un Metal Gear. Je sais que sur Rising, il n'était pas forcément ultra présent, mais il y a quand même Kojima Production et tout qui a bossé avec Platinum Games, donc il y avait quand même cette nuance derrière. Là, pour le coup, c'est Konami tout seul. Je suis pas. En plus, c'est avec des créatures, c'est même plus avec les soviétiques ou je ne sais quoi. D'ailleurs, en général, c'est souvent les soviétiques, hein. Mais voilà, celui-ci je l'ai pris parce que Metal Gear, mais puis qu'à 10 balles neuf, voilà quoi. Mais j'ai pas spécialement envie de le lancer, je crois que je l'ai même jamais installé. C'est pour dire. Voilà, donc ça c'était les jeux Metal Gear. Je dis qu'il y en a finalement un petit paquet et que je les ai pas tous. Maintenant, bah, je vais vous présenter un peu le reste de la collection en commençant par les OST. Alors, ça va vite, hein. J'ai qu'un seul CD. J'aimerais bien avoir celui de MGS3. Donc, si vous voulez me l'offrir, n'hésitez pas à me contacter. Non, je déconne. J'ai que celle de Peace Walker. Voilà, donc elle est quand même assez sympathique. Il y a quelques bons morceaux, etc. Mais c'est pas non plus le truc qui pète sans race. Il y a des bons morceaux, hein, clairement, mais c'est pas celle du 3, quoi. Oui, je mets toujours le 3 très très haut sur l'échelle de Metal Gear, mais il peut rien, c'est mon préféré. Voilà. Donc voilà pour les OST. On va passer au livre, hein, puisque forcément, c'est des choses qui peuvent prendre plus ou moins de place. Je vais commencer par le plus ancien de ma collection. Tellement ancien qu'aujourd'hui, il y a une version augmentée. Parce que là, c'est. De Damien Meschery, je crois. Ah non, c'est Mehdi El Kanafi et Nicolas Coursier qui sont chez Fort d'édition maintenant, qui avaient écrit ce bouquin, donc Metal Gear Solid, une œuvre culte de Hideo Kojima chez Console Syndrome Édition, qui aujourd'hui sont des CP, mais qui
On a bien l'empreinte de ce qu'est Ferd aujourd'hui au niveau du contenu et du livre en fait en lui-même. Même si chez Ferd, ils ont un peu plus poussé le. Avec Ferd, ils ont un peu plus poussé le processus, mais on ressent bien leur premier pas, notamment avec cet ouvrage-là. Ouais. Donc, c'était très bien pour en savoir un peu plus sur la série. Je crois que ça s'arrête avant la sortie de MGS4. Donc, pour vous dire que c'est ancien. Non. Ah oui, c'était avant Metal Gear Rising Revengeance, qui est sorti du coup après MGS4. Très bien. Voilà. Donc, bouquin sympa, et il existe maintenant un bouquin chez Ferd. Je pense qu'il y a une version augmentée je l'ai pas lu. Il faudrait que je le fasse. Mais, parce que je l'ai pas. Mais voilà. Donc, c'est le petit plus pour en savoir un petit peu plus loin, pour aller un peu plus loin dans la série, etc. Ce genre de livres sont très bien, en général. Voilà. Ensuite, vous allez avoir, bien évidemment, les artbooks. Et là, on va se mettre chez Mana Books, qui nous avait sorti l'année dernière, à Noël, en décembre 2019, un bébé d'à peu près 5 kilos. Voilà, le beau coffret. Pour 90 balles, qui est chroniqué sur le blog. Et donc vous avez dedans deux livres. Donc il y en a un, c'est vraiment la galerie des œuvres utilisées pour la licence. En plus, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez les dos qui sont argentés. Là. Et vous avez un deuxième ouvrage dédié aux études. Pour vous montrer un peu. Voilà. Donc les ouvrages sont de très belles factures, hein, qui vont jusqu'à MGS4 et puis Spoker. Donc hop, vous allez avoir les études, les designs, des décors, des personnages, etc. Donc il est vraiment super sympa. En plus, si vous aimez bien le style de Yoshi Shinkawa, vous allez vraiment vous faire plaisir. Sur la licence. Et hop, je vous fais un peu aussi celui sur la galerie, donc qui est classée par un jeu pour le coup. Voilà, c'est vraiment ça, c'était Olga du 2, ça. GS2, ouais. Voilà, et puis MGS1, voilà. Donc, bref, de très très beaux bouquins pour tout fan, hein, clairement. C'est 90 balles, putain. Mais voilà, ils sont très très beaux. Perso, je regrette absolument pas. Ils sont tellement classe que ça pète sa race. Voilà, c'est dit. Et pour le coup, Mana Books nous a gâtés, puisqu'ils avaient également sorti quelques années auparavant les comics adaptés des jeux des deux premiers MGS. Alors, top pour MGS1. Alors bien sûr, ce n'est pas Yoshi Shinkawa qui s'en occupe, hein, ça serait beaucoup trop de boulot. Mais vous voyez, le style est quand même assez sympathique, assez dynamique. Donc là, on est sur le premier, donc MGS1. Voilà, et ça reprend l'histoire du jeu un peu en accéléré quand même. Et vous avez également MGS2, donc qui avait été adapté, pour vous montrer un peu rapidement. C'est des choses qui restent quand même assez cool, assez chouette, et qui envoient plutôt du pâté. Voilà. Et donc là, on a fait le tour de ma collection Metal Gear. Vous voyez, je vous le dis, il n'y a pas de grosse collector, il n'y a pas non plus. Mais au final, ça fait quand même du chiffre. Il y a pas mal de petits trucs. Alors, vous l'avez peut-être vu légèrement, mais il y a également l'amiibo Snake de MGS2. Parce que Snake de MGS2, voilà. Alors, bien sûr, j'aurais pu terminer cette vidéo avec ça, hein, pour
Vous voyez que j'ai pas de grosses figurines, ni rien, pas de collector. Mais bien sûr, je vais vous parler un petit peu d'autres jeux d'Hideo Kojima, puisque comme le disait Kazuhiro Miller dans Peace Walker, Kojima is God. Si Kojima caminades. Kojima caminades. Hey, that's close to... Close to what? Your name. It sounds almost like the sentence Kojima caminades in Japanese. And what does it mean, s'il vous plaît? Well, kami is the word for God in Japanese. Nandesu, well, it's hard to explain, but placed after God, it would turn the sentence into, is God. Okay, so? Kojima is God. Cecile's name is a message. I don't believe it. Kojima is God. Kojima is God. D'ailleurs, il s'en sert lui-même pour ses propres jeux. Donc voilà. Et il faut savoir qu'il y a quand même quelques trucs qui ont été publiés ou faits sur d'autres de ces jeux, notamment chez Third Edition, où j'ai évoqué plus tôt, vous aviez ce petit ludothèque sur Snatcher et Police Notes, voilà, hein, qui est très sympathique. Pour des jeux qui sont compliqués à avoir en Occident, etc., c'est toujours agréable de pouvoir en savoir plus sur ce qu'a fait Kojima avant de faire Metal Gear. Voilà. Donc pour le coup, il y a ce petit livre là des ludothèques qui est très, très agréable. Et puis bien sûr, le dernier jeu de Kojima Productions, Death Stranding, hein, bien évidemment, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, dont il a également les VOD pour les premiers chapitres, etc. C'était quand c'était l'année dernière, 2019, qui est assez cool en soi. Bon simulateur de balade, mais surtout, faut pas oublier que c'est Yuji Shinkawa qui est encore à la mainmise sur les décors, et du coup, ça se ressent au niveau de l'artbook, etc., qui est édité cette fois chez Bragelon. Top. Voilà, par exemple, top. Ça se ressent parfaitement, vous voyez, au niveau du chara-design, des persos, c'est du Shinkawa tout craché. Enfin, si je vous montre, voilà. Ça, c'est du Shinkawa tout craché. Et donc, c'est plutôt cool, etc. Donc, voilà. J'en finis donc la vidéo là-dessus, sur cette petite note Hideo Kojima-esque. Et là-dessus, je reprends mon carton. Et je vous laisse. Ciao.